Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Positive 64 pour cette deuxième émission d'En Immersion. Nous sommes ici à Meillon pour une compétition d'Ultimate Frisbee où actuellement l'un des matchs va bientôt démarrer. À mes côtés, c'est Hervé Laurent, le président du club Ultimate Béarn. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, avant de parler de la compétition, parlons un peu de ce sport puisque c'est un sport méconnu en France mais qui monte petit à petit. Ça vient d'où en fait l'Ultimate? Ça vient des États-Unis, oui. C'est depuis les années 70, ça se pratique là-bas, et en France, en Europe, depuis les années 80-90. Alors là, justement, on va se tourner un petit peu vers le jeu, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc là, c'est l'échauffement avant le match. Je suppose que les règles sont les mêmes en indoor, donc en intérieur et en extérieur. Concrètement, l'objectif, c'est d'envoyer le frisbee dans la zone adverse. Tout à fait. Oui, les règles sont quasiment les mêmes, il y a quelques ajustements au niveau des durées et du nombre de joueurs forcément par rapport à la dimension du terrain et au temps de jeu qui est un peu plus réduit en indoor. Mais les règles sont les mêmes. Le concept, voilà, c'est de se faire des passes entre coéquipiers et de faire en sorte qu'un coéquipier l'attrape dans la zone d'en-but opposée pour marquer un point. Oui. Alors il y a une particularité qu'on peut voir vraiment dans l'Ultimate Frisbee, c'est à la fin des matchs, là par exemple ça se passe actuellement entre le 5e et le 6e, donc les deux derniers parce qu'il y a 6 équipes aujourd'hui dans la compétition, c'est ce qu'on appelle la ronde de fin de match. C'est quoi Hervé la ronde de fin de match? C'est un moment en fin de match, donc après le match, où les deux équipes parlent de ce qui a pu se passer pendant le match. C'est un style de débriefing. Généralement, c'est les deux capitaines donc, qui s'expriment sur les bonnes actions qui ont eu lieu ou des fautes qui ont pu avoir lieu aussi. Et ça permet comme ça de revenir sur ce qui s'est passé sans non plus perdre de temps pendant le match. C'est quoi une faute à l'Ultimate? Tout contact est une faute, donc on n'a pas le droit de toucher les adversaires. Tout à l'heure, on a dû voir une action avec une faute comme ça, donc ça arrête le jeu aussitôt. On s'explique. Parce que je regarde, il est où l'arbitre là? Il n'y a pas d'arbitre, voilà, tout à fait, très bonne question. Tous les joueurs sont arbitres, en fait, c'est de l'auto-arbitrage. Donc, tous les joueurs d'Ultimate doivent connaître le règlement et savoir donc appeler les fautes d'eux-mêmes et répondre si jamais il y a quelque chose qu'on doit contester aussi sur une action qui s'est déroulée sur le terrain. Ouais. Alors ça c'est assez incroyable, hein. Je connais pas un autre sport qui fonctionne de cette manière là. J'imagine pas ça dans le football par exemple, ça fonctionne bien concrètement vraiment ou des fois c'est très très litigieux? Ça fonctionne très bien même et c'est un des points essentiels de l'Ultimate, hein. Même au plus haut niveau, donc si on monte dans les divisions, même dans les compétitions internationales, ça fonctionne comme ça. Alors quand il y a des enjeux, on place maintenant sur le bord du terrain des observeurs, des observateurs qui peuvent intervenir, mais généralement ça fonctionne toujours comme ça en auto-arbitrage. Et ça se passe plutôt bien, ouais. À mes côtés, Fabien Di Patate, un joueur du club d'Ultimate Béarn sur Pau. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Alors du coup, on va parler des entraînements un petit peu, puisque vous, votre club s'entraîne le jeudi soir sur les terrains du club de la section paloise. Comment ça se passe concrètement? C'est quoi la différence avec un tournoi auquel on a assisté à l'intérieur comme aujourd'hui? Alors la principale différence, c'est qu'effectivement en extérieur, donc il y a le paramètre vent qui rentre en ligne de compte, et il y a bien sûr beaucoup plus d'espace, donc ça devient un sport beaucoup plus physique. Et du coup, ça dure combien de temps l'entraînement? Il se divise en combien de phases? Alors l'entraînement tout dure 2 heures, c'est de 19h à 21h tous les jeudis soirs au stade Macron à côté de l'hôpital de Pau. Et il y a une phase d'entraînement où on s'échauffe un petit peu, on explique un peu la tactique, la technique, et après il y a la fin de l'entraînement, à peu près 1 heure, on fait un match principalement. Juste avant la remise du trophée avec Sophie et Yann, donc alors le vainqueur c'est Yann, déjà félicitations. Merci. Sophie, comment vous avez vécu ce match? C'était un match très intense physiquement et tactiquement, mais c'était très plaisant à jouer. Ouais. Il y a une petite frustration sur la défaite ou dans l'Ultimate, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, c'est le plaisir du jeu avant tout. Oui, tout à fait, il n'y a aucune frustration. En fait, on a donné le meilleur de nous-mêmes, ils ont été meilleurs, c'est le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable, ça fait vraiment le stade toulousain, le rouleau compresseur. Il paraît que c'est votre équipe 3 en plus qui s'est déplacée aujourd'hui. Ouais, c'est pas vraiment l'équipe 3, on a rajouté des joueurs, des équipes au-dessus. Et du coup, c'est un peu biaisé, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui vont jouer en régional où on retrouvera l'équipe de Biarritz.
Donc c'est vrai que ça fait un peu rouleau compresseur, mais c'était pas le but, c'était le but de travailler avec d'autres joueurs et voilà, de changer. Alors là c'est assez rare de le voir, mais la photo finale avec toutes les équipes, tous les joueurs, c'est quand même chouette, il y a vraiment un état d'esprit particulier. Oui, c'est un très bon état d'esprit, très bon enfant, et c'est vraiment amical, on joue, on est intense sur le terrain, mais après on discute, on fait les soirées, enfin voilà, c'est un bon échange. Merci à tous les deux. Et la journée se conclut, Hervé, juste après c'est remise du trophée pour les Toulousains. En quelques mots, Hervé, le bilan de cette journée? Très bon pour nous, pour beaucoup des équipes présentes, ça représente une bonne préparation en plus pour les championnats régionaux qui ont lieu l'hiver en indoor. Et pour la CT, donc nous qui recevons, c'est très bien, ça fait vivre la section Ultimate et ça permet de faire connaître le sport localement, toujours à Pau et autour. Ouais. Si vous avez quelques mots justement à dire à celles et ceux qui regardent la vidéo et qui se disent tiens, ça a l'air intéressant quand même l'Ultimate, comment les motiver? Alors il suffit de se dire qu'à Pau, donc, on a un club qui recrute perpétuellement, on a aujourd'hui une trentaine de joueurs dans le club à Pau. Donc à 19h tous les jeudis, à Lousse des Bois, on donne rendez-vous aux joueurs qui sont intéressés de découvrir notre sport et de venir s'entraîner, de peut-être intégrer l'équipe des Ours de Pau donc pour plus tard après dans la saison. Merci beaucoup Hervé pour l'accueil. Merci à vous. Et je vous redis à bientôt sur Positive 64. Vous pouvez voir toutes les vidéos sur positive64.net.